Un agent de surveillance de Securitas patrouille dans les rues de Herne, une commune du Brabant flamand. Au volant de sa voiture, il est attentif à tout ce qui pourrait se passer. Je suis sur la route publique maintenant, et comme chaque citoyen, quand je vois quelque chose de suspect sur la route, je téléphone à la police pour leur annoncer ce que je vois. Depuis quelques mois, Herne fait face à une importante vague de cambriolage. La police locale n'a pas les moyens suffisants pour répondre aux problèmes de façon adéquate. Mais selon la loi, une société de surveillance privée ne peut pas effectuer le travail à sa place. Le contrôleur de sécurité, il passe d'un bâtiment de la commune à l'autre pour voir si tout est en ordre. Mais si bien entendu, en cours de route, il observe des choses qui lui semblent suspectes, il va le signaler à la police. Donc c'est toujours la police qui va intervenir. Ah, mais c'est absolument toujours la police qui intervient. Le rôle d'un gardien privé n'est pas d'intervenir, son rôle est d'observer et de rapporter ce qu'il voit. Alain Aimance habite dans l'entité de Sint-Pieterskapelle et apprécie que la commune intervienne de cette façon. Il a lui-même été victime d'un cambriolage en pleine nuit alors qu'il était à la maison. Nous sommes descendus et nous avons vite remarqué, parce qu'il y avait beaucoup de désordre, que certaines choses manquaient. Presque tous les appareils multimédia avaient été volés, PC, tablettes, GSM. Pour moi, la sécurité découle d'abord des services de sécurité eux-mêmes, c'est-à-dire de la police, et en combinaison avec une patrouille qui pourrait par exemple collaborer avec elle avec un mandat strict. D'autres communes rurales sont confrontées à une situation similaire. En mettant cette collaboration sur pied, le bourgmestre, M. Poulart, entend mettre le doigt sur le problème. Je trouve important que nous puissions prendre nos responsabilités en tant que pouvoirs locaux et que nous puissions également agir pour lutter contre cette vague de cambriolage. Et dans cette optique, j'estime que le législateur pourrait faire en sorte que des patrouilles soient autorisées sur le territoire. Aujourd'hui, la surveillance de nuit à Herne est un projet pilote. D'ici quelques semaines, les autorités communales décideront de le poursuivre ou non.